Bonjour mes amis. Le soin énergétique collectif auquel je vous propose de participer ce soir va comporter deux parties. Le soin standard, comme je l'appelle, qui permet de recentrer les corps subtils, faire un nettoyage énergétique général de votre corps, réguler les chakras, relancer la circulation générale du corps, harmoniser le mouvement primordial, etc., etc. Et dans un deuxième temps, je vais surtout me concentrer sur les principaux chocs psycho-énergétiques que vous pouvez avoir, que vous avez obligatoirement, que nous avons tous. Je vais vous donner une petite explication dans quelques instants. Auparavant, je voulais vous rappeler que ce soin est intemporel, c'est-à-dire que vous pouvez y revenir autant de fois que vous le voudrez pour le renouveler. Mais je demande toujours que pour cette première, que nous soyons nombreux pour créer un égrégore puissant qui va renforcer le soin et lui donner toute sa force pour qu'il puisse agir sur chacun d'entre nous. Mais si vous ne participez pas à cette première, rassurez-vous, je vous ai inclus aussi dans cet égrégore. J'ai inclus toutes les personnes qui, dans le futur, regarderont cette vidéo, que ce soit demain, dans un mois ou dans plusieurs années. Cela n'aura aucune importance parce qu'ils sont inclus également dans l'égrégore de ce jour. Donc, pour revenir sur les chocs psycho-énergétiques, sachez que nous avons tous eu des émotions, des chocs, des conflits extrêmement puissants dans notre vie. Ces chocs ne sont pas toujours digérés, loin s'en faut. Mais aussi, ces chocs vont provoquer des blocages dans la circulation énergétique, mais au-delà de ça, ça va provoquer des blocages dans notre esprit et aussi des blocages dans l'évolution de notre vie. Donc, vous comprenez combien il est important de s'en libérer. Aujourd'hui, je vais vous proposer de vous enlever trois chocs émotionnels. Les trois principaux chocs que vous avez pu avoir dans votre vie et qui sont là, toujours présents. Je ne sais pas si tout le monde pourra supporter l'élimination des trois chocs. C'est pour ça que je propose toujours à un guide qui nous accompagne de ne faire que ce qui est nécessaire pour chacun d'entre vous. Mais si vous n'avez pas la possibilité ou la capacité d'éliminer ces trois chocs aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il suffira que vous recommenciez cette vidéo ultérieurement pour enlever un deuxième, pour enlever un troisième. Ça n'en a aucune importance, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc, rappelez-vous aussi que les trois chocs que je vais vous éliminer aujourd'hui correspondent aux trois émotions, aux trois chocs, aux trois conflits les plus puissants que vous avez pu avoir au niveau de votre vie. Ces trois chocs sont pas forcément les plus anciens, ce sont vraiment les plus puissants qui vont ressortir. Et je vais travailler également sur leur origine, parce qu'un choc ne devient un choc que parce que nous avons une fragilité à ce niveau-là, des antécédents, des vécus, etc. Donc je vais travailler non seulement sur le choc, mais également sur tout ce qui a pu favoriser sa survenue, que ce soit dans cette vie, que ce soit dans nos vies antérieures, dans vos vies antérieures, que ce soit dans votre généalogie, tout en sachant qu'en général, tout ça ne fait qu'un. Voilà mes amis, donc nous allons pouvoir commencer le soin. Comme d'habitude, je vous incite à vous installer confortablement, de fermer les yeux, de rentrer dans votre corps. Et rappelez-vous que l'image va être floutée pour que vous n'ayez pas la tentation de me regarder et ainsi de vous déconnecter. Restez bien centré sur vous. Laissez votre esprit, s'il vagabonde, ce n'est pas grave. Cela n'empêchera absolument pas la réception de ce soin. Donc, installez-vous confortablement, fermez les yeux. Et commencer à faire des grandes inspirations. Je vais commencer le soin.
Voilà, mes amis, le soin est maintenant terminé. Je trouve qu'il a été puissant ce soir. J'ai ressenti des choses très fortes et l'élimination de ces trois blocages devrait beaucoup, beaucoup vous aider sur votre chemin de vie et sur votre élévation de conscience. Donc n'hésitez pas à revenir ultérieurement pour refaire cette vidéo. Mais n'allez pas trop vite tout de même. Comme je dis souvent, ne confondez pas vitesse et précipitation. Laissez au moins passer une semaine, 15 jours, pour bien digérer l'élimination des premiers avant de commencer à s'attaquer aux suivants. Parce que nous avons énormément d'émotions, de chocs psycho-énergétiques qui sont là et qui ont besoin d'être libérés. Ces éléments sont très importants parce que, déjà pour, comme je vous l'ai dit, pour notre chemin de vie, mais aussi pour notre élévation, parce que ce sont autant de boulets que nous avons aux pieds et qui nous empêchent de vibrer d'une manière importante, de nous élever et de suivre ce mouvement planétaire qui est merveilleux et qui se passe aujourd'hui. L'enfant intérieur m'a d'ailleurs rappelé que il est important, comme vous le savez, de suivre ce mouvement qui est une occasion, ce n'est pas une obligation, mais c'est une occasion merveilleuse qui nous est proposée de bénéficier de ces énergies pour pouvoir élever notre être d'une manière beaucoup plus rapide que nous n'aurions jamais pu le réaliser sans lui. Donc c'est une opportunité, c'est une chance, ces énergies sont là pour nous aider, à nous maintenant de les utiliser ou non, chacun est libre de ça. Il m'a dit également qu'il est important de penser, de vibrer dans l'amour. Mais ce qui est important dans l'amour, ce n'est pas uniquement de l'avoir dans le cœur, c'est aussi de l'avoir dans la vie, dans la vraie vie, dans la vie matérielle. C'est-à-dire que cet amour doit transpirer dans chacune de vos pensées, dans chacune de vos paroles et dans toutes vos actions. Donc je vous rappelle que cet amour correspond aussi à votre intégrité. Restez toujours dans votre intégrité. Restez dans la compassion, dans l'empathie, dans les idées de partage, dans les idées altruistes, etc. Tout ça fait partie de l'amour. Et donc c'est très très important de ne pas simplement le vivre dans son cœur, il faut aussi le vivre dans sa tête, il faut aussi le vivre dans sa vie. Voilà, donc c'était le rappel de l'enfant intérieur qui est toujours très beau et qui est toujours très positif. En attendant, mes amis, je vais vous souhaiter mille bonnes choses sur votre chemin de vie. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Ah, j'ai oublié un élément qui était important, c'est que il est possible qu'à la suite de l'élimination de ces chocs psycho-émotionnels, vous ayez pendant quelques heures, voire peut-être pendant 24 heures, des émotions, des souvenirs qui ressortent. Ne vous en inquiétez pas, laissez-les passer, même si ces émotions vous apportent du chagrin, ce n'est pas grave, ce sont des émotions qui sont en train de partir et qui partent définitivement, définitivement. Donc dites-leur bye-bye et laissez-les glisser sur vous parce qu'elles sont en train de vous libérer, de partir définitivement. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a ce genre de manifestation qui est rare, je vous le dis, parce qu'avec les méthodes que j'emploie maintenant, c'est rare, mais c'est toujours possible. Donc ne vous inquiétez pas, laissez-les glisser et maintenant sachez que c'est simplement le signe de leur départ définitif. Et c'est ça qui est le plus important. En attendant, je vous souhaite de nouveau plein de belles choses dans votre vie et à très vite pour un prochain soin. Le prochain sera certainement relié avec la reliance à la source. Bonne journée !